L'un des symboles de cette affaire, donc, le cabinet international McKinsey. 30 000 salariés à travers 65 pays, dont 6 en rien qu'en France. Des bureaux prestigieux sur les Champs-Élysées. Et dans l'ombre, des contrats juteux passés avec des ministères. Par exemple, la réforme sur les APL, 4 millions d'euros déboursés. Plus de 12 millions pour des conseils en pleine crise sanitaire. Alors, y a-t-il eu des abus? L'État a toujours eu recours à ses cabinets de conseil privés. Mais ce rapport sénatorial de 385 pages révèle un phénomène tentaculaire sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. En 2021, les dépenses de conseil de l'État au sens large ont dépassé le milliard d'euros. On pourrait aujourd'hui justement accuser M. Macron d'avoir renvoyé l'ascenseur et d'avoir fait donner de l'argent public au groupe McKinsey parce que les gens de McKinsey ont travaillé pour sa campagne. On a un gouvernement qui claque 1 milliard d'euros à des cabinets d'études avec des conflits d'intérêts monstrueux, c'est-à-dire des gens qui conseillaient des entreprises comme Pfizer, qui ont aidé à la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Et qui reçoivent de l'argent public en des sommes extravagantes. Et puis de l'autre, on dit non à des millions d'handicapés qui sont sous le seuil de pauvreté. Oh, mais comment on peut accepter ça? Moi, je ne peux pas l'accepter.